Vivez 24CH, 24 heures avant tout le monde, seulement avec Bell. Le jeu Serpents et échelles illustre bien les hauts et les bas du hasard. Un peu comme le destin qui, sans qu'on puisse le prédire, tourne pour le meilleur ou pour le pire. Chaque coup de dé peut faire la différence entre la vertu et le vice, le bon ou le mauvais. Sans la droiture, dit-on, point de salut. Voilà la plus grande leçon de vie. Les dieux, les anges et autres créatures fantastiques sont omniprésents. Mais parfois, ça prend une échelle très spéciale ou un coup de dé extraordinaire pour se hisser parmi les légendes. Durant la saison régulière, Brendan Gallagher ne connaît que deux vitesses. Every you get out there, it's exciting for me. You definitely want to play well, and you want to try and win the game and give them something to cheer about. Next week's going to be tough, I think. I certainly got to do a good job of taking care of your body, off days, making sure you're getting your rest and doing what you can do to recover. But other than that, the days of the week don't really matter too much to us. It's just game day or recovery day. Galchenyuk et Yemelin s'offrent une session d'un contre un, ou comme le disent les Russes, Adienne, Adienne. Jour de match face aux Flames de Calgary. Est-ce le moment où les Canadiens s'aventureront en terrain glissant? F2 gets a puck, pass to F1, long shot, hit the net, let the goalie feel it, come back, now shot from the middle. You guys see it? Jusqu'à maintenant, Michael Bournival a rongé son frein, affichant une patience de moine. Et ce soir, il obtiendra son premier départ de la saison. Le problème avec la glissade, c'est qu'une fois lancée, on ne peut plus ralentir.
quant à savoir où on va finir, c'est hors de contrôle. Au tour des Blackhawks de jouer. Come on, well, let's go. Here you go, Pax. Here you go, Pax. Go. Shoot it. Yes. Gotta go to the net, baby boy. Attaboy. We're in good shape, let's go! Back, me and Davey, we're both tense still, so hard to get there. Go, double. Let's go! Reds out! Reds on it! About you. Real good feeling. I got the mic on too, so when you score, it's gonna look good. Avec sa moustache, Jeff Molson appuie Movember avec panache. L'équipe des Canadiens de Montréal et le DG, puis plusieurs personnes alentour de la grande famille des Canadiens sont là pour supporter la santé des hommes. I'm getting older with every year, and you know there's a certain point in time where you got to do the annual test. So obviously, you know it's great to you know make people aware that it you know could happen to anybody. C'est un bon choix de capitaine. J'espère qu'il va lever beaucoup d'argent pour nous aider à être premier au Canada encore parmi les équipes de hockey de la Ligue nationale. It's kind of tough to follow George Parles. I'm going to do my best, trying to get all the guys involved in the locker room. Moi, je suis là pour faire partie de tous les hommes qui seront là pendant le mois de novembre. From what I understand, every year he actually grows a pretty good one. Ma femme est très déçue à chaque fois que je le fais, mais elle comprend que c'est pour une bonne cause. Ouais. À Buffalo, le CH sonne la charge avec Tokarski dans les buts pour contrer l'attaque des Sabres. All right, boys. All right, good job, Tucker. Good job. On that kind of situation that he is, beat the first pass. Then you're in good shape for second pass. Oh, you good? Yeah. Talk to you before the game and game preparation, that's all about that. Just be ready for the first shot. Yeah, huh? Absolutely. Les ailes de poulet du Bada Bings sont inégalées dans tout l'État de New York. Mais à Montréal, c'est à la brasserie Capri qu'il faut être. Quand le tricolore est à l'étranger, bien sûr. Nous, ici, à Brasserie Capri, ce qu'on essaie de faire, c'est on a Yvon Lambert, un ancien du Canadien, et il vient mettre de l'animation. Les parties qui sont à l'extérieur, parce qu'Yvon, les parties qui sont au Centre Bell, naturellement, ils vont au Centre Bell. Combien de parties avons-nous gagné en temps réglementaire et en prolongation? 4, 6 ou 8? 6! Depuis que mon chum, M. Michel Perrault, a acheté la place, je suis ici, je dirais pas 5 jours, mais 5 jours par semaine. Ici, ben, on fait tirer un chandail canadien. On fait tirer toutes sortes de prix. Il y a une petite tradition dans la place. On paye un shooter tout le monde à tous les buts du Canadien. L'ambiance que tu peux voir ce soir, là, c'est incroyable. C'est la meilleure place à Montréal. Parce que l'ambiance est vraiment mieux que tout seul dans notre salon. Puis on est avec des habitués, c'est vraiment le fun. Go, Habs, go! Go, Habs, go! Go, Habs, go! Go, let's go, let's go, let's go! We're going. Go.
Le premier match, le Canadien ne tire pas d'arrière après la première période. What do you see, Pricer? Spread it on. Take it and turn, baby. Go north. They can't contain you. You think Georgie's gonna contain you? Not with those cuts. Well, I saw you working on your edges yesterday. Your skin's too sensitive. You can't go sell. Here we go, boys! Let's go, boys. Let's go, boys. A good feeling about you. Real good feeling. I got the mic on too, so when you score, it's gonna look good. Let's have good dumps here, guys. Soft chips or hard rim in the glass. Get that third deep. Soft chips or rims. Come on here, boys. Come on here. Come on, buddy. You got it. You got it. You got it. Let's go. Yeah. Let's go get it. Let's go get it now, boy. Keith, fuck all the things you said. Backhand. Oh, here. I need a little more speed. Still got it. Mastepi enfile deux buts et aide les Habs à renouer avec la victoire. Mais c'est à celui qu'on surnomme simplement Plecky que revient la cape. Hey, I just had a good feeling about him. You know, he hasn't scored for a little while. He finds a way to score in big games. And hey, I called it. Yeah, I called PA. Thank you so much. Je me voyais pas faire une carrière d'hockey. Je jouais, mais c'était pour avoir du plaisir. J'aimerais ça être dans ses souliers. D'être là dans le milieu, puis tu vois la bannière qui lève, c'est, ça fait quelque chose. Pour célébrer en grand, personne ne surpasse les Canadiens. Ce soir, c'est le dernier membre du Big Three qui entrera dans la légende. On va regrouper le Big Three. Donc, on va avoir aussi les deux bannières de Savard et Robinson qui vont être levées au plafond lors de la cérémonie. Une cérémonie comme ça qui va durer plus de 20 minutes, c'est toujours quand même un challenge en soi. On va vraiment essayer de monter ça comme un show. On va avoir une partie projection, puis après ça, on va monter à la partie vidéo. Le montage qu'on va voir, c'est une espèce de récapitulatif très bref de la carrière de Guy Lapointe. Donc, on monte une espèce de chronologie avec des images d'archives. On mixe des photos, de la vidéo, des slides de stats, et puis des témoignages aussi d'anciens joueurs qui ont joué avec Guy, qui ont été ses coéquipiers finalement. We want him to be part of attaching. We don't want him just to be a bystander as Markov and Subban do all the work. Guy clips on one end, Markov clips on the other end. J'aimerais ça être dans ses souliers, pour être bien franc, là, d'être là dans le milieu puis tu vois la bannière qui lève, ça fait quelque chose. Son chandail numéro 5 sera retiré aujourd'hui. Mesdames, messieurs, Guy Lapointe. Je rêvais de devenir policier. Je me voyais pas faire une carrière d'hockey. Je jouais, mais c'était pour avoir du plaisir, m'amuser. Puis après, déjà l'entraînement pour devenir policier, je suis arrivé à la maison. Puis le père était tout excité. Il y avait une lettre comme quoi que j'ai été invité au camp du Canadien. Je me rappelle, j'avais dit à mon père, il avait dit, il invite toujours 60, 70 petits Québécois pour faire quatre équipes. Ils ont besoin de des choses. Il dit, ça fonctionne pas de même. Il dit, ça n'arrivera plus, là. Je dis, il n'y aura plus d'autres invitations si tu n'y vas pas. Il fallait au moins, tu vas pouvoir dire, bien, une fois dans ma vie, j'ai été au camp d'entraînement du Canadien, mais on sait ce qui s'est déroulé de ça. Au fait de sa gloire, Guy Lapointe était l'un des meilleurs défenseurs du circuit, en plus d'être un marqueur et un passeur hors pair. Ça et ses 6 Coupes Stanley. J'ai envie de vous, c'est mon idole. Je vois ça à la rue, on va le numéro 4, on voit Hockey Street avec des bottines et tout ça. Là, j'arrive dans la chambre, je m'habille. Il était à l'autre bord en face de moi. Je dis, je
j'étais là, j'avais de la misère à attacher mes patins, je voulais que je les atteste. Là, sa game va commencer. Je n'arrêtais pas de le garder. Tu sais, je suis là, là. Comment ça va? Merci beaucoup, bien gentil d'avoir venu. Merci. Beaucoup apprécié. Ça va? Le Big Three, quand même. Bonne chance. T'es venu sur la ligne du monde? Non, il fait pas, il est trop petit. Mais là. Une légende, bien comique. He's kind of a joker in a way, so he's trying to put on a brave face, but I think he's really, really nervous. And it's normal, I think. It doesn't really hit you till that evening. And he's also a very emotional guy. C'est un événement qui est un honneur suprême là, dans la vie d'un athlète. Tu réalises après l'importance que c'est, tu sais, je voyais pas ça aussi gros que ça. C'est quelque chose, puis c'est là pour la vie. Hein. C'est arrivé une couple de matin, en prenant mon café, je descendais, je l'allais sur le website du Canadien, sur l'Internet, puis j'allais voir où les bannières qui sont, puis tout ça, puis je te dis, là, j'avais le mouton un peu, puis je me disais, crème, en fin de semaine, je vais être là avec eux autres. Là. C'est extraordinaire. Notre honoré pour la soirée, une des plus grandes légendes à avoir patrouillé à la ligne 2 des Canadiens. Mesdames, messieurs, Guy Lapointe. Un jour, en réponse à un journaliste qui demanda au grand Jean Béliveau comment il voulait qu'on se souvienne de lui, il a répondu « J'aimerais ça qu'on se souvienne de moi comme un bon joueur d'équipe. » Guy, tu as été, comme Jean, un grand leader et un grand joueur d'équipe. Félicitations et merci. We talk about my times here in Montreal and those years in the 70s and whatever, it's always about the big three, and so now it's going to be nice to tell my grandkids, well, there's the big three, and point upstairs. Le fait d'être avec eux autres, là, c'est, wow, c'est l'ultime. Là. Juste, pas juste avec les deux, tu te gardes Jean Béliveau, Maurice Richard, Henri Richard, wow! Dans 20 ans, 30 ans, je serai plus là. Puis tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ils vont venir au centre belle, ils vont pouvoir garder d'en haut, la pointe. C'est ton grand arrière-grand-père ou ton grand-père, ça. T'es immortalisé, là. You know, when I came here to Montreal, I was a Bruins fan. You know, I grew up in Boston. My first year, I hated the Montreal Canadiens, and he was one of the guys I hated. And then when I came here and I became a teammate, he made me feel right at home and comfortable like they all did. And he was just an awesome teammate to have. Really good guy. Even on men rush, pressure the puck carrier. This is a good start. Hey, okay. Me. F***ing sick was across. What's up here? No. Just wanted to be cool like you was. Go, go. Thomas Vanek obtient une passe, comme il le fait si souvent en saison régulière. Let's go. Little big shift there, hey guys. Oh,
shift! Big shift! Wait, boys, we shoot it. All right, let's go to work here. Keep it up here, keep it up! Completely missed him. How would he? I think I hit him in the neck. Oh, okay. Le jeu Serpents et Échelles a été inventé en Inde, où on le nomme Paramapada Sopanapatam, l'échelle du salut, comme une métaphore de la vie. Et pour une équipe de la Ligue nationale, il y a là une importante leçon à retenir. 82 fois par année, il faut se réinventer, sans quoi on revient inévitablement à la case départ. Wow! Oh yeah! Don't put the hood down. No, don't do that. Good job, boy. Good job, boy. Cette émission vous a été présentée par Power Run Energy, la référence en nutrition sportive. Et par Sport Expert. Sport Expert, fier partenaire de 24CH. Connaissez-vous vos Canadiens? Découvrez 24CH le quiz sur la chaîne 1132.